Oui, je pense, parce que voilà, Marseille, c'est un gros du championnat. Et on n'a pas eu ce genre de test pour le moment. Et je pense que voilà, si on fait une très bonne performance contre Marseille, je pense qu'on pourra rester en haut. Oui, bien sûr, surtout qu'on a fait un très bon début de championnat. Voilà, on n'est pas là pour rien. Et maintenant, c'est à nous de le prouver contre les gros aussi. Et après, voilà, mais Marseille sont juste derrière nous aussi, ils sont juste à 3 points. Et voilà, c'est à nous de les mettre à 6 points dimanche soir. Après, pour Monaco, voilà, c'est complètement autre chose. Ils sont très très mal partis. Et bon, après, voilà, on verra ce qui va se passer dans la saison pour eux. Non, je l'ai eu, oui, je l'ai eu la semaine dernière, mais là, cette semaine, je l'ai pas eu. Ça va être un cas avec un grand plaisir que je vais le retrouver dimanche. C'est un très bon ami à moi. Après, je ne sais pas s'il va commencer le match ou pas. Je vais voir dimanche, je vais pas lui parler avant le match, mais ouais, ça va être, je vais être très très content de le revoir. Non, je pense que c'est logique, vu notre début de saison, c'est complètement logique. On mérite notre place de troisième, et voilà, c'est à nous de confirmer dimanche. Si on les bat, voilà, comme je l'ai dit, on les mettra à 6 points. Donc voilà, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça veut dire quelque chose quand même. Bah, depuis le début de saison, voilà, tout le monde s'entend très très bien dans l'équipe. Après, voilà, c'est des joueurs qui ont besoin de confiance. Et voilà, on leur a apporté cette confiance-là et voilà, depuis 5, 6, 7 matchs, et voilà, ils font montrer toute leur qualité. C'est des joueurs, voilà, même à l'entraînement, nous on l'avait déjà vu depuis le début, depuis le premier jour qu'ils avaient des grandes qualités. Et il leur manquait juste un peu de confiance et c'est ce qu'ils ont retrouvé depuis, voilà, depuis 5, 6 matchs. Et maintenant ça nous profite. Oui, mais voilà, ils ont fait un bon match contre le PSG quand même. Après c'est sûr que c'est Marseille, on sait ils veulent venir chez nous pour gagner. Mais on va tout faire pour que nous déjà nous on a envie de gagner aussi. Et voilà, Marseille, c'est sûr que c'est une équipe qui joue le podium toutes les saisons, mais nous on a envie d'y être aussi. Et voilà, on espère y être dimanche soir après le match. Bah, être ensemble. Là c'est tout le monde qui travaille ensemble, tous les joueurs, là, même du gardien et attaquant, tout le monde est ensemble. 90 minutes, c'est ce que demande le coach. C'est un bloc compact. Et après qu'on attaque ensemble et on défend ensemble. C'est ce que le coach nous demande tous les jours à l'entraînement. D'être ensemble. De travailler les uns pour les autres. Et c'est ce qu'on réussit pour le moment. C'est ça qui vous Ouais, c'est ça. demande régulièrement, Ouais, c'est ça. son leitmotiv. Ouais, c'est ça. D'attaquer, de défendre ensemble. Ouais, je pense. Je pense que voilà, même les joueurs ont pris plus confiance aussi. On a commencé à marquer beaucoup de buts. Et voilà, tout part aussi des attaquants. Quand les attaquants sont bien, tout le monde est bien aussi. Parce qu'on sait qu'à tout moment, ils peuvent marquer des buts. Et après, on connaît notre défense. On sait qu'on est très solide. Il nous manquait juste ça, de la confiance un peu devant, milieu offensif, tout le monde. Et voilà, tout le monde commence à marquer des buts. Et c'est ce qui nous manquait, je pense, au début de saison. Bah, je pense qu'on a une défense qui est très très agressive. Voilà, on peut le voir. Mais je pense que notre atout numéro un, c'est notre gardien aussi. Notre gardien, il est exceptionnel. Je pense pour moi, personnellement, c'est le numéro un en France. Et c'est aussi grâce à lui, il nous a sorti beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Et après, on a des joueurs qui sont aussi super en défense. C'est des joueurs d'expérience, qui ont l'habitude de la Ligue 1. Et voilà, comme j'ai dit, il nous manquait juste ça, offensivement. Il nous manquait un peu le lien entre la défense et l'attaque. Et c'est ce qu'on a réussi à trouver. Et maintenant, ça marche super bien. À l'Étoile Rouge, c'était un peu comme ça, un club comme ça, familial, avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui rigolent. Mais ici, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un plaisir de venir ici tous les jours à l'entraînement. On sait qu'on va rigoler, on sait qu'on va prendre du plaisir, mais on sait qu'on va bosser aussi. À l'entraînement, ça c'est sûr. Mais avant l'entraînement et après, ça c'est clair qu'on a des bons fous rires. Bah, je pense que nos 5-6 derniers matchs, on n'est pas très acculés en défense. Hein. On n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous. Et je pense que c'est nous qui avons fait le jeu. On s'est créé beaucoup d'occasions. Peut-être les premiers matchs, oui, on jouait un peu bas. Mais je pense que là, on a complètement changé la donne. À ne pas prendre de but. C'est ce que le coach il veut aussi. Même quand on gagnait 2-3-0, le coach nous demandait de ne pas prendre de but. Même à la 90e, il ne voulait pas qu'on prenne de but. Et ouais, bien sûr, c'est un plaisir de ne pas prendre de but. Après, voilà, nous, on veut marquer beaucoup de buts aussi. Oui, bien sûr, même si je sais que le début de saison c'était un peu compliqué pour moi. Mais voilà, c'est normal, je venais de l'étranger. Je devais regarder. J'ai analysé aussi les matchs en Ligue 1. Et voilà, je pense que c'était un mal pour un bien de ne pas commencer. Et voilà, maintenant je prends énormément de plaisir, ça c'est sûr. Je commence à avoir un bon rythme et à enchaîner. Voilà, j'ai enchaîné les matchs et c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir le rythme. Et après, c'est sûr, quand l'équipe joue bien, c'est beaucoup plus facile. Ouais, surtout physiquement. Physiquement, après la préparation, c'était un peu compliqué, mais voilà, comme je l'ai dit, le coach m'a très bien géré. Bon, le match de mardi, on l'a un peu oublié. Voilà, c'était un match de Coupe de la Ligue déjà. Il y a eu beaucoup de changements.
Et nous, on était focalisés sur Marseille directement après le match. C'est vrai qu'on était très déçus de ne pas continuer l'aventure. Le coach aussi nous l'a dit déjà le lendemain, le mercredi, mais dès le lendemain, c'est le match de Marseille. Voilà, faut oublier la coupe. On est très bien en championnat et il faut continuer sur cette dynamique. Ah non, pas du tout. Et souvent, on en parle entre les joueurs. On se dit, mais comment ça se fait qu'il est encore là? À 41 ans, où il trouve même cette force de s'entraîner tous les jours? Parce que c'est pas quelqu'un qui s'entraîne pas. Il est là tous les jours. Tous les jours, il a l'entraînement, tous les jours, il veut gagner. Personnellement, je ne sais pas comment il fait. Parce que voilà, même en Ligue 1, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Même dans le monde, hein, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je ne sais pas, il faut lui demander à lui. Mais son mental, ouais, il est extraordinaire. C'est un exemple. Ouais, je pense. C'est le capitaine. C'est, voilà, tout le monde apprend de Vito, ça c'est sûr. Bah, c'est pas moi. Hein. C'est le coach. C'est le coach qui m'a fait rentrer au milieu de terrain. Et après, voilà, quand ça se passe via un poste, voilà, je ne vois pas pourquoi le coach changerait. Et moi aussi, je me sens bien, donc voilà, on n'a même pas discuté du poste avec le coach, si j'allais jouer en défense ou au milieu. Il savait que je pouvais jouer les deux postes. Et après, voilà, pour lui, c'était une option, la meilleure option, c'était de jouer au milieu, à ce match-là. Et voilà, ça s'est bien passé et on a continué. À l'Étoile Rouge, tu jouais? J'ai joué les deux, ouais. La dernière saison, j'ai plus joué en défense, mais j'ai quand même joué mieux défensif quand même. Bah, là, maintenant, je vais vous dire au milieu de terrain, vu que ça se passe super bien, voilà, je vais vous dire au milieu de terrain. Mais c'est là que tu prends le plus de plaisir. Ouais. Mais je prenais du plaisir aussi à jouer en défense à l'Étoile Rouge. Parce que voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup au ballon. Donc, mais là, ouais, je prends beaucoup de plaisir à jouer au milieu de terrain, surtout dans cette équipe-là. Bah, déjà, Elias, c'est quelqu'un qui court beaucoup. C'est quelqu'un qui court beaucoup, qui couvre les espaces, un marathonien. Donc, des fois, quand il voit que je suis un peu fatigué, il peut me couvrir aussi. Ou alors, quand je monte, je sais qu'il va être là. Je sais qu'il sera toujours derrière moi et voilà, vice-versa. C'est un très très bon partenaire. C'est un mec super. Ah ouais, ouais, parce qu'en plus, déjà mardi, il n'y avait pas beaucoup de monde au stade. C'était compliqué de jouer sans moi. Voilà, il n'y avait vraiment personne. Et je pense que voilà, on a vraiment besoin des supporters dimanche pour faire un très très gros match. Et j'espère qu'ils vont prendre beaucoup de plaisir dimanche.